Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Nyan Action. Moi c'est Arm Kaika, j'ai 20 ans et je suis une étudiante en histoire de l'art qui est passionnée par les mangas et les animés. Alors mes loisirs ce sont principalement le dessin, la couture, on va dire que je suis quelqu'un qui est plutôt créatif. L'idée de créer le groupe de Nyan Action avec ma sœur en décembre dernier, à présent qu'on a 3 membres de notre groupe, on va enfin pouvoir tourner des vidéos, donc j'espère que ça vous plaira. Les types de projets que j'attends le plus de ce groupe, c'est d'abord les chorégraphies parce que depuis que j'ai regardé l'anime de Love Live, je me suis découvert vraiment une passion pour la danse sur les chorégraphies de cet animé. C'est vraiment juste incroyable d'être à plusieurs, synchronisé, beaucoup de travail de groupe et je trouve que le résultat est vraiment incroyable. Aussi j'attends beaucoup des live action parce qu'on va pouvoir incarner de nombreux personnages et ça me plaît beaucoup en fait de pouvoir changer de personnalité en fonction des personnages, utiliser diverses wigs et divers costumes. Donc ce sera sympa je pense de pouvoir tourner à plusieurs et d'avoir cette expérience avec le groupe. J'incarnerai plutôt des personnages mignons parce qu'ils correspondent plus à mon caractère. J'aime beaucoup les personnages avec des longs cheveux, des couleurs pastel. Et oui, on va dire que ce sera plutôt des personnages gentils. Par exemple, quand on fera des chorégraphies de Love Live, c'est moi qui ferai Kotori. Mais sinon, on a beaucoup de projets et on incarnera divers personnages. Donc je vous laisserai le plaisir de le découvrir. Un personnage qui me ressemble, sans hésiter, ce serait Yuki de Vampire Knight parce que c'est un des premiers animes que j'ai vu en fait et je suis vraiment très attachée à ce personnage parce que je le trouve juste mignon et c'est vrai que c'est un personnage qui me correspond beaucoup je trouve. Ma couleur préférée c'est le rose, vous êtes dans ma chambre et comme vous pouvez le voir il y a du rose un peu partout, c'est vrai que c'est une couleur que j'adore porter et que j'utilise presque dans tout quand j'écris, j'aime juste le rose parce que je trouve ça juste kawaii et c'est une couleur qui me correspond. Un style que j'aime énormément c'est le Lolita. C'est un style japonais qu'on ne peut pas porter tous les jours mais c'est vrai que par exemple quand on est en convention c'est un style que j'aime beaucoup porter, notamment le sweet Lolita, j'adore avec beaucoup de dentelles, des nœuds, du rose, des couleurs pastel, c'est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup toujours ajouter un petit accessoire qui personnalise ma tenue comme le petit nœud que je porte là, je trouve que ça rend plus mignon et je trouve que c'est bien de pouvoir personnaliser ses vêtements. J'ai vraiment un faible pour ce qui est sucré. J'aime beaucoup faire de la pâtisserie en fait. Et c'est vrai que c'est un vilain défaut que la gourmandise, mais oui, c'est vraiment le sucre qui est mon péché mignon. J'aime énormément écouter les bandes sonores, que ce soit de films ou aussi d'animés, parce que je joue moi-même du piano. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le travail de la musique. Pas seulement classique, mais de la musique en général avec les instruments. J'écoute aussi beaucoup d'opening et ending de manga, un peu de J-rock, de la K-pop, et aussi énormément de musique de Vocaloid parce que j'aime énormément. Je trouve que c'est un logiciel vraiment incroyable et qui permet de créer beaucoup de choses. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs créatifs qui nous ont rendu des morceaux magnifiques. Et donc c'est pour ça qu'on va faire notamment des live action sur Vocaloid parce que ce sont des musiques très intéressantes et je trouve qu'ils prêtent beaucoup au live action. Mon animal préféré, alors ce serait le lapin parce que en fait j'avais un lapin et il s'appelait Kiko et je trouve que c'est un animal très intelligent qui est très doux et je trouve que c'est juste tellement adorable un lapin comme une petite peluche.
Alors voilà, c'est tout pour ma présentation. Je tenais vraiment à vous remercier parce que si on peut faire ce genre de travail, c'est grâce à vous qui nous regardez. Je serais vraiment heureuse d'avoir des commentaires, vos avis, des conseils, parce qu'on veut vraiment s'améliorer pour vous proposer les vidéos de la meilleure qualité possible et aussi sur des sujets que vous aimeriez voir. C'est pour ça en fait, n'hésitez pas à vous manifester, on est là pour ça. Et donc j'espère que vous apprécierez nos vidéos, que vous avez aimé un peu mieux me connaître. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !